retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Diamond Painting, voilà, comme vous allez voir et que vous avez vu dans le titre. J'ai avancé sur le kit de la cascade, voilà. Donc, de la boutique FG Normal, voilà, que j'avais pu choisir. Je vous avais montré dans la vidéo unboxing. C'est là aussi où j'avais eu le kit de la Betty Boop. Donc là, bah, j'avance. Vous verrez donc en visionnant là où j'en suis arrivée. Et donc j'avais fait là où au moment où je vous parle, j'ai filmé donc cette vidéo hier après-midi. Et je vous remettrai une autre photo. Il y a trois photos. C'est là où j'en étais arrivée hier après-midi. Et je vous remets une photo tout à la fin. C'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui. Voilà. Parce que bah, du coup, j'ai aujourd'hui. Hier soir. Parce que bon, bah, du coup, hier soir, je l'ai ressorti devant la télé. En plus, il n'y avait rien de beau à la télé, donc j'ai ressorti mon DP, puis j'ai mis YouTube sur la télé, et puis voilà, du coup, je l'ai avancé. Donc, vous verrez où j'en suis arrivée. Voilà. Alors, dans l'après-midi, c'était le noir, c'est noir. Voilà, j'étais dans le noir sur mon kit. J'aurais pu chanter la chanson à Johnny Hallyday. Noir, c'est noir. Bon, je ne sais plus la mélodie, mais bon. mais là, bon, hier soir, quand j'ai avancé, là, j'étais dans le blanc, le bleu. Donc, c'était déjà mieux. Heureusement, parce que pour le soir, si en plus j'aurais dû faire du noir, c'était mortel. donc, voilà, vous allez visionner donc cet avancement sur ce kit. J'en profite en même temps. Alors, je vous avais parlé que j'allais aller à Action chercher la machine de découpe. Alors, j'y suis allée ce matin. Il y en avait encore, hein, des machines. Et puis, quand je suis arrivée devant les machines, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive de réfléchir. Non, mais j'ai réfléchi. Bon, malgré qu'elle était en promo, ça fait quand même presque 30 euros. Et je me suis dit, bah, j'ai la Big Shot. Alors, pourquoi racheter une deuxième machine qui va faire la même chose? Bon, à la base, je voulais l'acheter parce qu'elle est plus légère et que c'était pour moi faire des cartes, par exemple, en bas, le soir, en regardant la télé. Et puis là, bah, ce matin, quand je l'ai vu au magasin, je me suis dit, bah, non, je ne vais pas dépenser 30 euros pour une machine que je vais me servir deux fois, trois fois dans le mois, ou bon, grand max, peut-être quatre, alors que j'en ai déjà une. Hein, j'ai la Big Shot qui me va très, très, très bien. Et puis, après, je me suis dit, bah, de toute façon, même si je fais des cartes le soir devant la télé, ce que je ferai avant de descendre pour faire mes cartes, je ferai mes découpes dans mon atelier avant. Et comme ça, je descends mes découpes. Et puis, voilà, je ne descends pas ma machine. J'aurais plus qu'à faire mes cartes, à les coller. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, non, je ne vais pas dépenser les 30 euros, enfin les 29,98 euros, pour être plus précise, dans le vide. Bon, j'aurais pas eu du tout cette machine de découpe, là, d'accord. Mais là, bon, j'ai la Big Shot, donc, non. Donc, mon petit cerveau a réfléchi, puis j'ai dit, non, je l'achète pas. Donc, je ne l'ai pas acheté. Mais bon, je ne suis pas sortie quand même les mains vides, mais j'ai pas pris grand chose. Hein, j'ai juste pris. Je regarde parce que c'est pas la même couverture, mais c'est la même chose. Bon. J'ai repris juste deux blocs comme ça. Vous les connaissez certainement. Celles qui font du scrap.
C'est les blocs de papier. Alors, il y a du papier blanc, comme ça, du plus épais au plus fin. Idem pour le papier craft. Et il y a du papier noir. Voilà. Donc, dedans, il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs grammages de papier. Donc, ça, j'aime bien. Et du coup, j'en ai pris deux blocs. Il n'y en avait plus la dernière fois. Et là, j'ai vu qu'il y en avait remis. Donc, j'en ai pris deux blocs. Bon, ne me demandez pas les prix. Je ne sais plus où j'ai foutu mon ticket. Donc, j'ai juste repris aussi deux petites boîtes comme ça. Ça, par contre, je sais le prix. C'est 39 centimes la boîte. Voilà, j'en avais besoin d'une, mais j'ai dit à ce prix-là, je vais en prendre deux. Celle-là, je trouverais bien quelque chose à mettre dedans. Parce que je voulais une petite boîte pour mettre voilà, mes pinces de couture. Hop, comme ça. Que j'ai acheté à AliExpress il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pareil. Je ne sais plus combien je les ai payées. Mais je trouve ça super. Moi, j'ai plus besoin d'épingler mon tissu. Ça n'abîme pas le tissu ni rien. C'est des petites pinces pour la couture. Pour tenir vos tissus, votre ourlet, tout ça. Bon, avant de piquer à la machine. Je trouvais. Et du coup, il me fallait. Bon, là, j'en ai pas beaucoup. J'en avais acheté qu'un sachet pour voir d'abord ce que c'était, si c'était solide ou pas. Mais comme elles sont très très bien, je vais en reprendre un paquet ou deux. Comme ça, j'en aurai d'avance. Voilà. Et puis là, de toute façon, il y a encore de la place. Je peux encore en mettre dans la boîte. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai pris. Donc, ces deux petites boîtes et puis ces deux blocs de. Oui, et puis si, du gel pour les mains. Parce que là, ils ont fait un gros plein de gel hydroalcoolique sous toute forme. Donc ça, j'en ai repris. Ben, on n'en a jamais assez, hein, surtout en ce moment. Puis à la pharmacie, ça coûte cher. Donc là, j'ai eu un gros flacon de pompe. Donc le flacon est comme ça. Ouais, je ne sais pas combien en millilitres, combien il y a dedans, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup. C'était 2,99 €. Donc pareil, j'en ai pris deux, comme ça j'en ai un d'avance. Je suis tranquille. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai terminé de blablater, je vais vous laisser visionner. Donc vous avez vu, hein, il y a le concours, hein, sur la chaîne depuis ce matin, 8 h. Donc, pensez à aller vous inscrire. Vous êtes déjà très nombreux à vous êtes inscrits. Si je ne me trompe pas, vous êtes déjà 76 participants depuis ce matin 8 h. Donc, c'est génial. Et en sachant que le concours est en ligne pendant 15 jours. Donc, normalement, il y aura encore beaucoup de participants. Et ben si, et en même temps, n'hésitez pas à partager, hein, le concours si vous le souhaitez pour faire connaître qu'il y a un concours. Voilà. Je rappelle qu'il faut être abonné à ma chaîne pour participer. Et puis c'est tout. Et puis mettre un petit commentaire sous la vidéo du concours. Voilà. Je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo pour celles qui n'auraient pas encore vu. J'ai reçu aussi, alors je vais cacher mon adresse. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai d'abord voulu essayer un développement de photos. Donc, ça, je vais vous en reparler. Nickel, on ne paye pas les photos, on ne paye que les frais de port. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Par contre, j'ai eu un peu peur. Alors, vous voyez. L'enveloppe était comme ça. Voilà. Et j'ai dit, oh là, ça a été ouvert, ça. Et heureusement, tout était dedans. Mais bon, l'enveloppe a été ouverte par quelqu'un. Mais bon, ça, c'est au niveau de la poste ou de. Bon, c'est pas au niveau de la société, hein, c'est durant le transport. Parce qu'en plus, j'avais un mot bizarre. Ah non, c'était pas pour ce courrier là que j'avais un mot bizarre, c'était pour un autre.
dont je vais vous faire aussi une vidéo. J'ai reçu aussi aujourd'hui quelque chose que j'ai commandé chez Amazon. Donc, je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus. Voilà. Donc, une vidéo. Oh, pardon. Excusez-moi. Bah, vous savez que je suis toujours fatiguée, hein, mais bon. Une vidéo sur les photos et une vidéo sur ce que j'ai reçu aujourd'hui à Amazon. Voilà. Vous allez avoir de quoi visionner. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'ai assez blablaté. Hein. Oui, je suis une vraie pipelette. Et maintenant, je vous laisse visionner. Hop, des commentaires. Hein, sinon, c'est la fessée. Non, c'est pas vrai. Je ne vous les mettrai pas la fessée. De toute façon, vous êtes trop loin pour que je vienne vous mettre la fessée. Voilà. Sauf celle qui habite dans mon coin. Allez, je vous laisse visionner. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.